m'appelle Tony, j'ai 30 ans, je suis responsable de la promotion chez TennisPro. Je m'occupe d'établir des contrats de partenariat entre les marques, les magasins et les clubs de tennis. Cette année, au sein de la gestion sportive, j'interviens à la fois sur les accréditations des joueurs, mais aussi sur les invitations. Pour ce qui est des accréditations, donc je m'occupe déjà d'éditer les badges des joueurs et aussi de leur entourage sportif, à savoir les coachs, leurs trainers, mais aussi de ceux de leur famille et de leurs invités. Alors au niveau des invitations, c'est un petit peu différent. En fait, quand la programmation du lendemain sort, il s'agit donc de donner les invitations aux joueurs, mais les donner en respectant un certain nombre de règles. Le joueur peut prétendre à plus ou moins d'invitations. Donc il suffit simplement d'assimiler un maximum de règles, et sinon, si on ne peut pas toutes les assimiler, de savoir au moins où aller chercher l'information pour lui donner le bon nombre de tickets. Il y a beaucoup de préparation en amont de ce tournoi pour que tout soit prêt quand les joueurs arrivent une fois sur site. Donc c'est une expérience vraiment très enrichissante à laquelle il faut mettre sa réactivité à rude épreuve. Il faut savoir gérer son stress. Alors bien sûr, là, au niveau des qualités, les langues, c'est vraiment primordial puisqu'on accueille essentiellement les joueurs en anglais. Et après, toute langue supplémentaire est la bienvenue. On a des collègues qui parlent italien, mandarin, aussi portugais, même japonais. Donc voilà. Mais l'anglais, c'est primordial. Alors l'adjectif qui qualifie le mieux cette expérience, pour moi, c'est excellent, parce que c'est vraiment un honneur de contribuer à l'organisation d'un tournoi aussi prestigieux. Alors les trois mots pour bien décrire cette expérience, donc c'est le service, la réactivité, la communication.